J'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne journée, qu'il n'y a pas eu beaucoup de souffrance. Vous savez, hier, il y a eu une voiture qui est rentrée dans les poules et il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. J'aimerais te dire que la vie ne tient à un fil. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas rendre l'âme. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas. La date, tu ne la connais pas. Qui t'a dit que ce métro-là ne va pas exploser? Qui t'a dit que ce métro-là ne va pas avoir un accident? Qui t'a dit que ce métro-là, tu vas ressortir vivant? Personne. Mais tu as la proie des personnes, c'est les chauffeurs, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Au lieu de baser la proie sur les hommes, base la proie sur Dieu. Au lieu de baser sur la proie sur les hommes, base la proie sur Dieu, parce que les hommes ne peuvent rien t'apporter, mon frère. Ils ne peuvent rien t'apporter, ma soeur. Tu peux baser ta proie sur une femme, mais la femme va te tromper. La femme va te laisser pour un autre. Tu vas enchaîner des femmes et tu vas jamais trouver le bonheur. Pareil pour toi, ma soeur. Tu vas te baser sur l'homme. Mais l'homme, il va te tromper, il va te changer de femme, etc., etc. Et tu seras quoi? Tu seras dans la souffrance. Mon frère, ma soeur, tu seras dans les problèmes. Tu veux baser ta foi sur la drogue, mais la drogue va te détruire. La drogue va te détruire, mon frère, ma soeur. Tu veux baser ta foi sur la cigarette, mais la cigarette va te détruire. Mais base ta foi sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui, c'est le seul qui peut maintenant te relever. C'est le seul qui peut maintenant te donner la vie éternelle. C'est le seul maintenant qui peut te donner le bonheur véritable. S'il vous plaît, si Jésus pouvait faire moins de bruit, merci. Jésus-Christ est la solution pour toi. Vu qu'il faut que je fasse moins de bruit, moi je vais faire moins de bruit. Parce qu'il faut respecter les autorités. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de revenir à Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps d'avoir la paix avec Dieu. Il y a une seule personne qui peut te la donner. C'est celui qui est mort pour toi à Golgotha. C'est celui qui est mort pour toi et ressuscité au troisième jour, comme l'annonçaient les prophètes. Alors, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ, mon frère, tu vas droit à la mort éternelle, en l'enfer. Mais avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, non seulement ta vie va être meilleure sur terre, non seulement il va te guérir, non seulement il va te donner le bonheur véritable, mais Jésus-Christ aussi va te donner la vie éternelle. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est quoi? C'est gagner le ciel. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors il y a un seul chemin, mon frère. Il y a un proverbe dans le monde qui dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais si je prends Belco, est-ce que je vais passer par Rome? La réponse est non. Si je prends le chemin de Bellecour, la place Carnot, est-ce que je rentrerai à Rome? Non. Si tu vas au nord, tu vas partir au sud. Alors mon frère, ma soeur, je veux te dire qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est la solution pour toi. Sois béni et passe une bonne soirée.